vous accueillir dans ce stadium de Hockenheim où il y a une véritable fournaise. Et la température a sans doute monté de quelques degrés car il y a ici, vous voyez tout autour de nous, quelques 120 000 spectateurs. C'est unique au monde. Ici, c'est un stade automobile très particulier puisque toute une partie du circuit se déroule au milieu des gradins. Il y a une partie qui va dans la forêt, une partie des gradins. Et ces 120 000 spectateurs, vous savez ce qu'ils sont venus voir? Ils sont venus voir leur idole, le roi Michael Schumacher. Alors, ce Michael Schumacher qui a dominé le début du championnat du monde, et bien pour le moment, avec son écurie Benetton Ford, il est un peu dans l'œil du cyclone, il est dans le collimateur de la FIA. On sait, on connaît toutes les histoires qui se sont passées avec cette suspicion qu'il y a sur l'utilisation d'électronique qui serait à la limite de la tolérance. Nous allons vous parler de tout ça, mais nous allons surtout vous parler d'un événement important, car ça fait 4 ans que ce n'est pas arrivé, c'est deux Ferrari en première ligne. Ici, c'est un circuit de moteur, un circuit où la puissance s'exprime et le V12 des Ferrari a fait merveille sur ce grand circuit ici. Et il y a, c'est la première fois depuis 1990 qu'il y a deux Ferrari en première ligne, Berger et Alesi côte à côte devant Hill et Schumacher. Alors ça, c'est un événement exceptionnel et je pense que gagner pour Ferrari, c'est quelque chose de très particulier avec une saveur très particulière. Alain Prost, bonjour. Vous vous souvenez de ça, hein, ça fait chaud au cœur quand on court pour Ferrari et qu'on gagne ou qu'on on fait une pole. Oui, pour un pilote, c'est absolument exceptionnel. C'est vrai qu'on dit souvent que gagner pour Ferrari, c'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable, et on a des sensations qu'on ne retrouve pas dans les autres équipes. Par contre, quand ça va mal, c'est aussi beaucoup plus difficile. C'est un peu le chaud et le froid. En tout cas, en ce qui concerne Ferrari aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont dans une position, bon, bien entendu, pole position, première ligne, ça ne s'est pas vu depuis 4 ans, mais en tout cas, dans une position de gagner un Grand Prix. Et vraiment, depuis 4 ans, à part peut-être au Grand Prix de France 91, où j'étais en première ligne, ça s'est vraiment pas produit très très souvent. Merci Alain, on va vous retrouver en compagnie de Jean-Louis Moncet, Jenny Rive et Pierre Vandelit tout au long de ce Grand Prix. Tout de suite, je vous propose de dresser le décor de ce théâtre, c'est-à-dire le circuit d'Hockenheim, vu à bord et au volant de la Williams Renault de Damon Hill. Third gear, the right hander, very important, obviously it's the start of the lap, going up through the gears up to fifth gear. This corner is very difficult to get right, very fast kink in fourth gear. Go up the curb a little bit on the exit. The car bottoms out, but then up through the gears to sixth gear, and you just tank along the straight here. It's very bumpy and very narrow, and you can see that the car is moving about a lot. The steering moves around a lot, and then hard on the brakes, braking at about the 150 meter board, down to second gear, through the first chicane. Careful to get the traction down. Again, another bumpy straight. You get up to 330 kilometers an hour. It's very important to concentrate at that speed. There's a big bump here as we brake hard and very, very bumpy there. You can see the wheels pattering down to second gear through the new Oscar chicane, which has been changed from last year or so. Back up another straight. Up again to about 320 k's, and then braking hard again for this new chicane, the third chicane, which has been slowed down because the other chicane was thought to be too dangerous or too fast by the GPDA. And now we have a short straight coming back into the stadium. It's very, again, a very quick entry to the stadium. There's a car in the way there, but this is fourth gear, extremely quick. And braking hard for one of the slowest corners on the circuit, the second gear Sachs curve, which is banked, bit of understeer, accelerating hard as you can through the stadium, left, right, and then into this bowl, and the car gets light, and then into the bowl again, and finishing the lap like that is all there is to it, really. Thank you, Damon. Merci à Damon Hill et à cette Williams Renault. C'est une nouvelle Williams Renault, la FW16B que vous découvrez ici. Elle est un peu plus effilée, nouvelle aérodynamique. Les pontons ont été modifiés. Et puis, vous savez, le règlement de la Formule 1 évolue de Grand Prix en Grand Prix. Ici, à Hockenheim, il y a de nouveaux changements dans le règlement, notamment l'imposition de l'usage de cette planche en bois. Elle fait 10 mm de hauteur sur 1,50 m et à peu près 30 cm de large. Elle doit être placée sous
les voitures et elle ne peut pas s'user plus de 10%. Donc plus d'un petit millimètre d'usure est toléré. Et évidemment, ça change un peu les données avec une garde au sol un peu plus élevée et des suspensions qui ne peuvent plus être réglées de façon aussi dure qu'auparavant. Un peu moins d'effet de sol donc sur les Formule 1 à partir de ce Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Les voitures vont donc un petit peu moins vite. Alain Prost, est-ce que vous croyez que cela va dans le bon sens tout ça et que ça se vérifie en piste? Ah oui, certainement. C'est un procédé qui est un peu anachronique par rapport à tout ce qui se fait sur le plan de la technologie en Formule 1, mais c'est un procédé qui a le mérite d'exister. Ça permet simplement de lever les voitures. Enfin, les écuries ne peuvent pas rouler aussi bas. Quand on roule très bas, on augmente l'effet de sol, comme vous l'avez dit. Donc ça diminue l'appui aérodynamique, peut-être encore d'une manière encore plus importante sur un circuit très très rapide comme celui-ci. Certains pilotes se sont plaints d'ailleurs de la légèreté un peu de la voiture dans les lignes droites à 320-330 km/h, mais on voit d'ailleurs les temps autour, c'est quand même beaucoup beaucoup moins rapide et donc l'effet de sol est quand même réduit à peu près de 20%. Et puis parmi les autres nouveautés, évidemment, il y a le nouveau moteur Ferrari à 75 degrés, le fameux moteur 0,43 qui a brillé en qualification. Alain, vous parliez tout à l'heure de Ferrari et du retour de Ferrari au premier plan. Je vous propose de revivre les moments émouvants, les quelques minutes importantes de la séance de qualification quand Gerhard Berger et Jean Alési se sont qualifiés en première ligne. Hockenheim, avec ses longues lignes droites entrecoupées de chicanes, représente un terrain idéal pour la Ferrari 412 T1B, dont le nouveau moteur V12 à 75 degrés regorge de puissance. Samedi, Gerhard Berger et Jean Alési ont été fidèles au rendez-vous fixé par la Scuderia. Le Français signa d'abord le meilleur temps, puis l'Autrichien décrocha la pole position, sa première depuis 3 ans. Émotion pour Alési, reparti à l'assaut avec son second train de pneus lorsque la carrosserie de sa Ferrari s'arracha sous l'effet de la pression à plus de 330 km/h. Jean d'Avignon fut contraint de regagner son stand en se contentant de la deuxième place sur la grille de départ aux côtés de son équipier. Une première ligne toute rouge, du jamais vu depuis Estoril 90 avec Prost et Mansell. La joie faisait plaisir à voir dans le garage Ferrari et même Michael Schumacher s'inclinait sportivement. Je deviens un peu le poulidor de la Formule 1, donc j'aimerais finalement faire une pole un jour et puis un jour gagner. Mais c'est une belle fête dans notre team là. Anquetil Berger buvait du petit lait. Prochaine étape cet après-midi. Hockenheim, toujours dans le direct de Hockenheim, donc disais-je. Nous sommes ici en compagnie de Giancarlo De Angelis, qui est le directeur technique de Magneti Marelli. Magneti Marelli est une société qui est très pointue, une société très particulière, qui fait dans l'ordinateur de haut de gamme. Les ordinateurs, vous en avez tous sur votre voiture. Vous savez maintenant, vous montez la voiture, vous dites, bon, la carburation évidemment est réglée, l'allumage est réglé par un ordinateur. On entend même, attention, les portes ne sont pas fermées. Sur une F1, c'est devenu vraiment quelque chose de capital, au point que sur une Williams Renault, je sais qu'à jusqu'à une époque, il y avait 7 ordinateurs. Donc, c'est un peu ce qui est en cause dans le milieu actuel de la Formule 1. Il y a une telle puissance de calcul sur ces ordinateurs que l'on peut faire énormément de choses. Dans le passé, on gérait la suspension active, on gérait évidemment la carburation et même une possibilité de départ automatique, comme on reproche à Benetton avoir utilisé ce qui est interdit. Alors, avec nous, donc, Giancarlo De Angelis, qui est le directeur technique de Magneti Marelli. Magneti Marelli est une société italienne qui équipe 5 des top teams de Formule 1. Williams Renault, Ferrari et aussi Sauber Mercedes et beaucoup d'autres. Alors, on voudrait que vous nous expliquiez exactement ce que fait actuellement un ordinateur sur une Formule 1. Mais pour dire la performance d'un calculateur sur la Formule 1, maintenant, nous pouvons parler de 80 000 instructions par seconde qui sont faites dans toutes les périodes que le moteur, après que le moteur a démarré. Nous, notre aménagement, c'est sur l'allumage, l'injection, la boîte de vitesse. Et en plus, le calculateur, il fournira toutes les informations à les pilotes visualisés sur les tableaux de bord, sur le sujet consommation, sur le sujet temps sur tour.
pour faire si que les pilotes soient ménagés propre course. Alors dans la mémoire de cet ordinateur, il y a des tas de possibilités, en particulier la possibilité de faire un départ entièrement automatique. C'est-à-dire que le pilote a juste besoin d'appuyer sur un bouton et ça part tout seul, c'est vrai ça? Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, on a trouvé donc dans la mémoire de certains ordinateurs, il y a des choses qui sont autorisées maintenant et des choses qui sont complètement interdites. Et on a trouvé dans la mémoire donc d'une Benetton une possibilité de calcul qui a été reconnue non utilisée à Imola, mais qui existe pourtant. Alors, explication de ce phénomène, explication de cette tourmente dans laquelle est prise Benetton et de la suspicion qui pèse sur Benetton, Paris Virginia, tout de suite. L'affaire a débuté bien avant le problème survenu à Silverstone et l'épopée du drapeau noir et de la pénalité infligée au jeune Allemand et à l'équipe Benetton. En fait, elle remonte au Grand Prix tragique d'Imola, quand la fédération a saisi pour les contrôler les logiciels électroniques des trois premières voitures classées, la Benetton Ford, la Ferrari et la McLaren Peugeot. La FIA a rapidement conclu que la Ferrari était conforme au règlement. Le cas de McLaren Peugeot, par contre, n'est pas encore résolu. Quant à Benetton, l'équipe a été relaxée au bénéfice du doute. L'affaire aurait dû être définitivement réglée. Mais la publication du rapport d'enquête laisse clairement apparaître la possibilité que l'équipe Benetton Ford avait les moyens informatiques pour tricher. Il révèle aussi la difficulté que les techniciens de la FIA ont eue pour obtenir des explications et précise comment les ingénieurs de l'écurie pouvaient agir ou non sur un éventuel système de contrôle de démarrage au moyen d'un simple ordinateur portable. Dernière chose, et pas des moindres, le contrôleur technique de la fédération n'est pas convaincu que la Benetton Ford respectait le règlement. Un rapport publié vendredi 29 juillet, trois semaines après les événements de Silverstone et trois jours à peine après la lourde sanction infligée à Schumacher et à Benetton qui crient partout leur innocence. Nous savons que nous n'avons rien fait. Nous l'avons prouvé à la FIA. C'est d'ailleurs le jugement de la FIA que nous n'avons pas d'antipatinage. Alors je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Voilà, Michael Schumacher plaide non coupable. Flavio Briatore avec nous, le directeur de Benetton Formula. Flavio, on a beaucoup parlé de cette affaire, de ce rapport du délégué technique de la FIA. Il paraît que vous camouflez certaines possibilités de vos ordinateurs et d'éventuelles assistances au pilotage. Quelle est votre argumentation, votre réponse? Mais il y a beaucoup de confusion. Je pense que toute la chose est partie hier. Et pour nous, c'était incroyable ça. Parce que quand le technicien de la FIA, que ce n'était pas un juge, mais c'était un policier, si on veut, il a reporté à le tribunal la FIA qu'il pensait que nous avions un système fantasme dans la voiture. La FIA, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une compagnie extérieure, parce que seulement il n'y a pas de technicien de la FIA qui peut regarder ça, et il a fait très bien, il a pris une compagnie extérieure qui vérifiait la Benetton. La compagnie extérieure, il a vérifié la Benetton et hier il est sorti le communiqué qui a dit que la Benetton il n'a jamais usé le traction control du système prohibé. Et pour moi c'était fini. Hier encore il m'a demandé que c'était le fantasme. Je vais dire, le seul fantasme que j'avais dans la voiture c'est le pied de Michael Schumacher. On n'a pas de fantasme dans la voiture. Et hier le tribunal, quand il a vu le rapport, la société qui a regardé notre électronique, il a dit qu'on n'a jamais usé un système paligo. Après ça, je pense qu'il est fini, il doit être fini, parce qu'il y a seulement de la spéculation. En plus, c'est normal faire de la spéculation quand le team gagne. L'année passée, Prost, il a vu le même truc et c'est normal. On a un petit peu l'impression, Flavio, que la fédération a des doutes, qu'elle n'est pas parvenue à vous prendre la main dans le sac, et peut-être que toute l'affaire du drapeau noir à Silverstone et la terrible pénalité, la sévère pénalité qui pèse sur les épaules de Schumacher, tout ça est un petit peu lié. Mais tu sais, quand tu gagnes, il est toujours comme ça. C'est, la FIA veut un exemple, c'est juste qu'il le donne à Schumacher et pas à Martini, que personne ne sait qui c'est. Et c'était l'année passée, Prost gagnait, c'était lui. Si on veut, c'était aussi un truc normal. Mais on va gagner le championnat de toute façon. Ok, merci Flavio. Alain Prost nous a dit tout à l'heure dans Automoto, je suis persuadé que Benetton n'a pas triché. Vous pouvez nous dire pourquoi, Alain? Parce que je pense que de toute façon, si on prend les boîtes noires, si on parle de l'antipatinage, je sais que sur le plan
ne serait-ce que financier, sur le plan du temps, il est impossible pour les écuries de changer complètement les boîtes noires, les boîtiers électroniques. Et ils ont pris les mêmes boîtiers que l'année dernière et on annule le procédé d'antipatinage, on le déconnecte complètement. Donc chaque grande équipe aujourd'hui en Formule 1 pourrait, en l'espace de quelques minutes, réactionner l'antipatinage. Donc c'est vrai que si on veut chercher les poules dans la tête, on dit que les meilleures équipes peuvent aussi utiliser aujourd'hui l'antipatinage quand ils le veulent. C'est l'ambiguïté du règlement, c'est l'ambiguïté aussi de la Formule 1 qui est devenue très très technique. C'est difficile aussi pour des gens extérieurs, aux ingénieurs de course, de voir exactement ce qui se passe. L'antipatinage, on le voit à l'extérieur, on l'entend en tout cas, quand il est actionné. Le bruit du moteur n'est plus du tout le même. Et je pense qu'il est surtout très très dommage, c'est qu'au niveau de l'image de la Formule 1, il y a toujours des doutes et des suspicions, toujours sur celui qui gagne d'ailleurs, enfin très très souvent. Et c'est un peu dommage, et moi personnellement je voudrais qu'on en finisse un petit peu, parce que si vraiment il y a eu soit manipulation, soit tricherie, il faut que l'équipe soit disqualifiée. À partir du moment où on ne la disqualifie pas et n'est pas pénalisée, eh bien je crois qu'il vaut mieux pas en parler. Absolument, je pense qu'Alain a centré le problème. C'est ça, je pense qu'en Formule 1, on doit parler du sport, de ce public magnifique qu'il est ici. C'était un fait pour le sport, pour la Formule 1. Et ça, c'était ce que la gente veut voir. Il veut voir le sport et pas le tribunal et les trucs comme ça. Et je pense qu'Alain a raison et merci Alain. Ok, bien parlons-en, Flavio, avec un petit coup de chapeau à Michael Schumacher. On a beaucoup parlé de Michael Schumacher ces derniers temps, mais c'est quand même lui qui a dominé le championnat, qui a gagné des grands prix. C'est un jeune homme de 25 ans, futur champion du monde. Gilles Pernet l'a rencontré et un petit peu découvert la face cachée de Michael Schumacher. Voyez plutôt. Schumacher dominateur ou Schumacher dans le collimateur. Dans tous les cas, le jeune Allemand impressionne par sa concentration et sa faculté d'adaptation à la gloire, l'argent comme à la malédiction. Explication. Quand je suis assis dans la voiture, je suis concentré sur mon travail. C'est sans doute dans ma nature, je suis né comme ça. C'est mon caractère, voilà tout. Cela ne signifie pas que j'oublie tout, mais seulement que je suis très concentré. Dès que je monte en piste, je suis à la limite. Tout a été plus détendu pour moi parce que je suis capable de faire le boulot en professionnel, avec une meilleure vision globale, afin de mieux contrôler et de mieux travailler. Pour épargner mes forces, ne pas me disperser, mieux me reposer. Cela a beaucoup changé pour moi. Je suis devenu plus expérimenté, dirais-je. Les amis que j'ai sont toujours les mêmes, peut-être un peu moins nombreux, plus concentrés. Avant, ils étaient peut-être 100, et maintenant seulement 50. Mais des amis véritables, un terme qui ne convient plus aux autres 50. L'argent n'a pas changé ma vie, il m'a juste permis de me payer un peu de luxe. J'ai pu réaliser quelques rêves, mais quand c'est fait, ce ne sont plus vraiment des rêves. Je suis donc redevenu moi-même, au-delà de mes rêves. Après un temps, je les oublie et je continue à faire les choses que j'ai toujours faites, que j'ai toujours aimées. Du go-kart avec mes amis, comme par le passé, c'est tout ce que j'aime. Which I used to do, which I did like to do, and which I still like to do. Donc toujours en direct de Hockenheim avec André de Cortance qui est le directeur technique de Sauber Mercedes. Alors évidemment, Schumacher est sous les projecteurs ici pour plusieurs raisons qu'on vient de vous expliquer. Mais le sport automobile allemand est en pleine renaissance, au point d'ailleurs que chez Mercedes, non seulement on progresse, mais en plus on devient de plus en plus sollicité. On dit qu'il y a beaucoup de top teams, c'est-à-dire des écuries de premier plan, qui font un appel du pied très pressant chez vous, André de Cortance. Bah écoutez, moi je suis Sauber, j'espère très égoïstement que le moteur va nous rester. Mais j'estime qu'il est normal qu'un constructeur comme Mercedes soit pressenti pour fournir des grandes équipes.
j'espère que ça sera pas et qu'on gardera nous le moteur. Alors au début c'était simplement Sauber, maintenant c'est Sauber Mercedes, vraiment on le voit d'ailleurs sur les moteurs, il y a marqué Mercedes-Benz là, Andrea De Cesaris qui est en train de regarder sa voiture, tourne autour de la voiture, il voit que maintenant vraiment la présence de Mercedes est de plus en plus nette. Est-ce que l'année prochaine la voiture s'appellera simplement Mercedes? Je ne suis pas du tout qualifié pour répondre, hein. Moi je m'occupe de technique, je ne fais pas l'avenir de la maison Sauber Mercedes. Je pense que c'est peut-être une évolution, mais j'en suis pas informé. Alors, votre impression ici, sur un circuit comme celui-là, qui est un circuit de moteurs, justement, ou qui met en valeur les performances des moteurs, qu'est-ce que vous pensez, d'abord, un, des performances des Ferrari, puisque vous êtes un passionné de course automobile, et deux, quelles sont vos possibilités? Écoutez, comme vous venez de le dire, je pense que c'est représentatif du meilleur moteur pour le moment. Nous, je pense qu'en condition de course, la voiture est meilleure qu'en condition de qualification, donc je pense... Hans Harald et Andrea vont progresser dans le classement au fil des tours. Hans Harald, il s'agit de Frenzen évidemment, qui est un de la bande des trois, qui était le junior team chez Mercedes en sport proto, où il y avait effectivement Schumacher, Wendlinger et Hans Harald Frenzen. Et on disait que Frenzen était souvent aligné, souvent d'ailleurs Schumacher à l'époque, c'est vrai ça? Frenzen est ce que j'appelle moi dans mon parler, un avion de chasse, c'est-à-dire qu'il va très très vite. Depuis le début de la saison, on a fait tout ce qu'on pouvait pour le calmer. Donc on a vu qu'en condition de course, il allait presque aussi vite qu'en qualification. Donc c'est ce qu'on lui demande en ce moment. Ok, merci. On vous souhaite bonne chance. Et maintenant, on va voir un peu ce que représente Mercedes dans la Formule 1 aujourd'hui. A tout de suite. Le retour de Mercedes en compétition s'est opéré en association avec le Suisse Peter Sauber, d'abord en sport prototype avec des moteurs Mercedes dans les châssis Sauber, et de jeunes pilotes germaniques formés au début des années 90 par la marque à l'étoile. Le grand saut vers la Formule 1 s'est aussi effectué dans le sillage de Sauber avec des résultats relativement encourageants. Mais la F1 coûte cher et suite à la défection d'un sponsor, Mercedes a dû en trouver un autre, un fabricant de montres suisses, pour aller de l'avant malgré les difficultés rencontrées. Nous avons joint nos forces, Peter Sauber et Mercedes-Benz, afin de parvenir à une situation saine en 1994, également sur le plan financier. De nouvelles orientations existent pour la saison prochaine. Mais cela doit être confirmé. Il faut notamment savoir si le sponsor est prêt à continuer. C'est au team de régler tout cela. L'avenir de l'association entre Sauber et Mercedes est donc dépendant des finances de l'écurie suisse. Certains annoncent déjà le départ du directeur technique André de Cortanze sous d'autres cieux, tandis que les meilleures équipes de la F1 ont discrètement approché Mercedes, un grand constructeur prestigieux s'il en est. Bien sûr, il y a des questions et même des demandes. Après notre victoire à Indianapolis, il a été démontré que notre partenariat avec Ilmor est capable de fournir du très bon travail et différentes écuries ont fait acte de candidature pour le futur. Mais pas spécialement pour 1995. Plusieurs possibilités sont en discussion et notre direction décidera dans quelques temps quel chemin prendre. En attendant, le team Sauber joue gros à Hockenheim, où l'excellent Hans Harald Frenzen et l'expérimenté Andrea Di Cesaris tenteront de poursuivre sur leur lancée en marquant des points. Des performances suivies de près par la concurrence, avec un regard pas vraiment désintéressé sur les moteurs V10 Mercedes Ilmor. Voilà, la Formule 1 de plus en plus populaire en Allemagne. On peut le constater dans ce stadium archi-comble de Hockenheim aujourd'hui. Retour sur la grille de départ du Grand Prix d'Allemagne dans quelques instants, après une petite page de pub. À tout de suite.